Yo les gars, c'est Joe, le spécialiste aujourd'hui pour la moins bonne équipe de l'histoire de la Ligue 1, enfin pas de l'histoire de la Ligue 1, mais de cette saison. Donc les gars, on a une équipe plutôt sympathique sous nos yeux. Voilà, on a les joueurs les plus mauvais de ce début de saison de Ligue 1. Je les ai répertoriés, c'est pas moi qui ai fait l'équipe, c'est l'équipe. Oh, paradoxe. En tout cas, ce qui est sûr les gars, c'est que cette équipe-là, c'est une équipe de qualité très réduite. On voit quand même qu'il y a des joueurs majoritairement argent. Vous le voyez, la majorité, je pense que vous ne les connaissez pas. Surtout beaucoup de joueurs de 3. Mais bon, hein, on n'est pas dernier sans le vouloir, hein, les gars. Donc voilà, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 joueurs de 3, si je sais bien compter. Il y a le terrible Mapu, Yanga, Mbiwa, les gars. Bon, lui, c'est la légende. Hein. Le top du mauvais, les gars. Là, on est sur le top de l'échec du début de saison. Voilà, on est vraiment très très haut. Ensuite, on a les deux buteurs. Les buteurs, c'est des gens. Lui, là, lui, on nous l'avait vendu comme le nouveau buteur révélation du FC Nantes. Au final, bah non, on va pas se cacher. Cario, bah moi, j'en attendais pas plus. Donc, au final, bah, il est resté où il devait être, hein, c'est-à-dire nul. Et puis, le reste de l'équipe, on va dire, c'est le 11 titulaire de 3. À part lui, le petit frérot dédicace à Razak, hein, mais bon, il représente bien l'échec de Toulouse, hein, parce que lui, ça fait plusieurs saisons bah, qu'il est même sur fuite, hein, qu'il est or, etc. Et au final. En vrai, il est très loin de l'or, hein. Il est plus près du bronze ou du caca. Donc voilà, on va essayer de trouver un match sur fuite, voir si cette équipe a des petites qualités. J'espère que oui, quand même, parce qu'on a quand même du cardio. On a quand même, allez, 3 joueurs or, c'est pas dégueu. Moi, sincèrement, là, en son, je suis chaud patate, là, je suis très Brazil en ce moment. Donc peut-être qu'il y a moyen de trouver un petit match. Ça va être dur, parce que oui, en ce moment, beaucoup de problèmes de serveur, mais on va essayer. Voilà, j'ai lancé la recherche, ça va prendre à peu près 10 minutes à trouver un adversaire, les gars. On se retrouve dans 8 ans. Hein. Écoutez, bah moi j'ai téléchargé des jeux sur mon téléphone. Écoutez, on fait comme on veut pour s'occuper. Hein. Oh mon dieu, on a trouvé un adversaire, les gars. Mon dieu, j'étais. Et j'étais pas prêt, je peux vous l'assurer. Allez, il a un maillot noir, il a Daniel Acker en tant que joueur de son équipe. Je pense qu'on n'a pas à faire une équipe trop forte. Ok, je retire ce que j'ai dit. Directement, voilà. On a du Ramez, du Martinez, du Kono Kanka version Steve, du Bale. J'ai rien dit, les gars. On va rentrer chez nous, je crois. On va se prendre une branlée, comme on a peu pris en FIFA. Ok, le contrôle déjà de qualité, quoi. On aime la qualité chez nous. La Team Joe aime la qualité, on peut vous l'assurer. Il est sérieux, hein, Game Boy? Mais j'ai rien touché. Il est con, ce joueur. Il est con, il est con. Ah là là, ça va être compliqué, les gars, ça va être une dinguerie. Frérot. Frérot, il est passé, frérot. Tu la mets, ou pour Cario. Mes joueurs. C'est ma manette qui veut ou ils sont totalement cons. Hop là, ma manette de guet, j'en ai pris une nouvelle, je l'ai remplacée telle la casette à la 72e minute de jeu par Kaloulou. Donc voilà, allez on y va. On va essayer de faire du sale. Oh la frappe. Parade, double parade, triple parade. On s'en sort plutôt bien. On va pas se le cacher. On a plutôt de la chance. Oh, Ayas. Ayas, il est beaucoup trop lent, Ayas. Mais oui, c'est magnifique. Mon dieu. C'est pas possible qu'on vient de voir en 2015. Mais ils sortent la goal line. Et là je vous dis on est au fond du trou de la Ligue 1 les gars. Regardez-moi ça, ils sont sortis la goal line pour savoir si. Oui il n'y a pas but. Alors maintenant on est sûr. Hein. Avant j'avais quand même un petit doute. Il est dur à rattraper Bale. Popopo ça va vite. Allez, bouge-le. Mais oui Mavinga. Mais est-ce qu'on retrouverait pas le Mavinga du stade Rennes? Oulala. Oulala. Ça s'appelle s'enflammer un petit peu trop vite, les gars, je me connais. Ah oui, c'est magnifique. Bon, le but 1-0. Boum. Directement. Nous, on déconne pas, mon gars. On est venu, on a vaincu. Enfin, pas encore, vraiment, parce que on garde quand même en tête qu'on a la moins bonne équipe de Ligue 1. Mais sincèrement, cet enchaînement à la Barça, mon gars, je sais que je suis un peu le forceur, mais sincèrement, là, la triple passe profondeur des familles, on marque avec Sigurdsson, le grand espoir de Nantes. Peut-être qu'au final, il a peut-être un peu de talent. Ça va être compliqué d'aller chercher Jackson Martinez. Oh, la parade! Pouh, ce gardien, il est en or. Il est en or, le gardien. Vous avez vu ce qu'il a sorti face à Jackson? Mais c'était magnifique. Ah, il est parti, Martinez, la frappe de Martinez a été tendaxe. Mais c'est bien arrêté par notre super gardien qui fait vraiment un super taf, les gars. Je peux vous l'assurer, voilà. C'est compliqué de garder l'avantage, les gars, mais on y croit. Oh là là, Ayas. Il est beaucoup trop lent. C'est impossible. Je peux rien faire avec ça. Il y a trop peu de qualité, les gars. Trop peu de qualité, je peux vous l'assurer.
Et victoire 1-0 avec la pire équipe de Ligue 1, les gars. Donc, ça vaut bien un petit GG, les gars. Si vous avez d'autres pires équipes, la pire équipe de Barclay, de Serie A, etc., de la mi-saison, n'hésitez pas à m'envoyer ça, hein, des équipes à thème, notamment. Allez-y, sévère, hein, les gars. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore me lancer des petits défis. Là, on a gagné 1-0 avec cette équipe. Là, sincèrement, c'est un défi compliqué. Bon, Petrić, homme du match. Mais sincèrement, j'ai bien aimé le Sigurdsson. Et pas dégueu du tout. Camus, pas dégueu. Très beau non plus. Vraiment sympathique. Moi, j'ai bien kiffé, les gars. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu avec cette petite équipe bien sympa, les gars. Équipe à thème, proposez-moi dans la description. C'était Joe. Bye tout le monde.